Comment Facebook peut-il permettre d'acquérir de la visibilité, de vendre en ligne et de faire des promotions auprès de ses clients ? L'acquisition de visibilité, ça passe par des éléments, on va dire, publicitaires. Mais on va voir que sur Facebook, du coup, vous allez pouvoir faire plusieurs choses de façon très, très intéressante. Et la concrétisation de cette publicité peut être un acte d'achat. Hein, vous, l'objectif, ce qu'on appelle le call to action, le bouton que vous allez mettre de ramener le client sur votre fiche produit dans votre boutique e-commerce pour qu'il achète le produit. Si on prend l'exemple de la paire de chaussures qui est à l'écran, là, on a une publicité qui a été construite pour la boutique Toms. Et l'objectif, c'est de mettre en avant cette paire de chaussures avec une réduction de 15% et l'objectif d'attirer le client sur son site e-commerce pour qu'il puisse acheter la paire de chaussures vue à l'écran. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec Facebook, vous allez aussi pouvoir faire d'autres choses. Vous allez pouvoir faire la promotion d'un événement, par exemple, ou d'un livre blanc. Imaginons, vous pouvez être dans une stratégie d'acquisition de clients où vous dites, mais tiens, je fais du conseil, par exemple, ou je suis architecte, bon, très bien. Je vais créer un livre blanc sur toutes les questions que doivent se poser des jeunes qui veulent construire un pavillon pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Bon, je crée ce livre blanc et je vais en faire la promotion sur Facebook. Et donc, ce qu'on appelle le call to action, le bouton associé à ma publicité, ça va être de télécharger ce livre blanc. Mais après, c'est peut-être une stratégie, on va dire, à deux coups. L'objectif étant derrière de récupérer le client que j'aurais convaincu grâce à mon livre blanc, qu'il me demande une prestation et là que je l'accompagne dans son projet de construction. C'était mon objectif final, je suis architecte, je veux vendre un projet de construction immobilière à des jeunes couples, mais je suis passé par une étape intermédiaire qui est un livre blanc qui explique, qui décrypte, qui amène du conseil, des informations et du coup, quelque part, je gagne la confiance, je montre en fait mon savoir-faire par cet intermédiaire-là, je convainc le client et derrière, l'objectif étant de l'amener à me commander une prestation d'architecte. Vous pouvez aussi faire du couponing, de la vente événementielle ou de la promotion d'événements. Imaginons que vous lanciez un showroom, vous voulez faire la promotion de votre showroom et attirer soit vos clients habituels, soit des clients qui ressemblent en termes de profil à vos clients habituels. Et maintenant, du coup, vous allez pouvoir faire des publicités ciblées sur Facebook avec un objectif, là, ce qu'on appelle le call to action, qui est une inscription à un événement. Ça peut être une vente privée, hein, ça peut être une vente événementielle, ça peut être quelque chose de différent. Vous êtes vigneron, vous décidez en fait de faire des petits déjeuners dans les vignes pour expliquer aux gens comment se fait le travail du vin. C'est une prestation, vous les emmenez dans les vignes, vous leur expliquez le travail de la vigne, l'élaboration du vin, etc. C'est une prestation et simplement là, le call to action, ça va être une inscription à ces petits déjeuners dans les vignes grâce à une publicité que vous aurez mise sur Facebook. Et on va voir que Facebook vous permet de profiler la typologie de client que vous voulez toucher.